Marion Rousse, son coup de gueule remarqué contre les attaques misogynes. Marion Rousse en a marre des critiques misogynes visant le Tour de France femme dont elle est la fière directrice. Alors l'ex-sportive a poussé un coup de gueule. Marion Rousse a toujours vibré pour le vélo. Ancienne coureuse, elle est désormais journaliste et l'un des visages incontournables du Tour de France, qui vient de toucher à sa fin. Plus récemment, elle est même devenue la directrice du Tour de France Femmes, qui se joue actuellement. Mais la compagne de Julien Alaphilippe, double champion du monde de cyclisme. Et sont tout aussi présents chez les hommes. Face à ces critiques désobligeantes, certaines concurrentes, à l'image de la championne de France Audrey Cordon-Rago, n'ont pas hésité à monter au créneau. Directrice de l'épreuve, Marion Rousse leur a apporté tout son soutien. Si est-il ridicule? Quand les hommes tombent sur le tour, ce sont des héros courageux, et les femmes ce serait parce qu'elles ne savent pas rouler. A-t-elle lâché? Ancienne championne de France, reconvertie depuis plusieurs années en tant que consultante, elle préfère se concentrer sur les 95% des gens conquis. Plutôt que les 5% qui restent, qui s'amusent sur les réseaux sociaux à dire que les filles ne savent pas rouler. Comme on la comprend. Si est-il ridicule, a-t-elle continué, en colère. On n'a presque rien à leur dire. On n'a pas à se justifier. Les chutes font partie du cyclisme, il y en aura toujours. On oublie trop vite le tour masculin de l'année dernière, avec les nombreuses chutes en première semaine, comme à Pontivy. Marion Rousse mal à l'aise face à son célèbre ex. Marion Rousse doit aussi dealer avec d'autres critiques plus personnelles. En effet, il y a quelques jours, on a pu voir sur les réseaux sociaux des remarques au sujet d'un potentiel malaise de l'ancienne sportive à propos de son ex Tony Galopin. Certains ont en effet noté que la journaliste et ancienne coureuse ne prononçait pas le nom de ce dernier, lors du Tour de France 2022. Marion Rousse n'a jamais un mot sur Tony Galopin, les autres heureusement en parlent chercher l'erreur. Il finit cinquième des coureurs français quand même, a-t-on pu lire notamment. Pour rappel, Marion Rousse est aujourd'hui l'heureuse compagne de Julien Alaphilippe, avec lequel elle a eu un fils, qui répond au doux prénom de Nino.